La première œuvre que j'ai vendue, c'était en 65 à Rabat. Et c'était à peu près une vingtaine d'euros, 200 dirhams. C'est la plus chère œuvre que j'ai vendue dans toute ma vie. Et si je ferais un calcul de ce que j'ai vendu, dans la somme de 450 dirhams, c'est la récolte de 64 ans de la vente. À partir de ce moment, de cette date, j'arrêtais de vendre mes œuvres. Si quelqu'un me demande, ça dépend de la relation que j'ai avec lui. Il y a une affinité, un respect mutuel, oui. À part ça, c'est pas possible. Je refuse pour les riches, ils seront des gens de pouvoir intellectuel et de pouvoir politique et tout. Et des institutions aussi. Par exemple, j'ai refusé de vendre une pas fondation, comment s'appelle Christie, la maison Christie. Quand j'ai exposé une fois dans le cadre de l'année de Maroc, en France, à Paris, au couvent des Cordeliers, la représentante de la maison, elle est venue acquérir une œuvre avec l'intention de faire un contrat, de faire d'autres œuvres. Mais j'ai refusé et elle était un peu étonné de quelqu'un de tiers-monde, modeste, d'apparence et tout, qui refuse la richesse et le pouvoir matériel de cette maison. La plupart de mes œuvres s'effritent et se décomposent dans mon atelier. Oui, parce qu'ils souvent sont faits avec des matériaux organiques et des matériaux fragiles qui sont auto-détruits et je le fais par exprès, que ça disparaît. J'ai inconsciemment envie de reproduire ma maison de l'enfance, ma maison où je suis né. J'ai vécu dans une maison très sobre, il n'y a que des murs cholés, rien accroché au mur, ni peinture, ni dessin, ni photo, ni rien. Très sobre, comme un sanctuaire. Il y a une table, il y a un tapis végétal, c'est tout. Et le silence, c'est tout. Mais ici, elle est accrochée là pour des raisons fonctionnelles. Comme il n'y a pas de place, ici je l'accroche. Et comme j'ai l'intention de qu'il soit abîmé, et comme le mur est très humide, donc je ne le fais pas pour que ça dégrade et disparaisse. Là, il travaille toujours, il y a une dégradation perpétuelle, jusqu'à arriver au degré zéro. Et chaque fois, je vois ça et me donne le plaisir de le voir. Je sens qu'il y a un dialecte, un dialogue avec les matériaux. Je n'ai pas de décision de ce que j'y vais récupérer. Et souvent, les choses que je récupère, je le prends comme un acte d'adoption. Donc, vous voyez dans cet espace, il est pêle-mêle, il est plein de choses. Il donne l'impression que c'est rien, mais chaque élément, chaque fragment, elle est récupéré de la rue ou bien de bord de la mer avec beaucoup de concentration pour le mettre ici. Quand j'utilise des matériaux, comme j'utilise mon vrai corps, c'est une reproduction de mon être physique et moral. Et quand je vois, par exemple, la plupart de mes choses qui sont fragiles, ils sont autodestructibles, parce que j'ai une forte sensation que je suis très fragile et très vulnérable et très torturé, et même existentiellement, je sens que je suis, j'ai le même destin que mes choses que je fais. Donc, je suis en train de la dégradation perpétuelle dans mon corps et dans mon esprit et ma mémoire et tout. Donc, plus ou moins, c'est presque un autoportrait, presque un autoportrait, mais pas
pas au style occidental, pas au style figuratif, mais d'autres manières, oui. Pour être un vrai artiste, il faut ne pas vivre de ton travail, il faut faire un travail à côté, n'importe. Mais pour protéger votre travail et votre intimité créative, il faut ne pas vendre, il faut faire tout ce que tu veux sans rendre compte pour la célébrité et pour la renommée, ni par la richesse et tout ça. Et comme ça, l'unique manière de protéger ton monde intérieur, et que tu sois sincère avec toi-même.